Bon, on va continuer notre découverte sur Biomutant. Sur la première vidéo, on n'a pas trop découvert la map, malheureusement. Pour moi, on met un peu de temps à avoir notre liberté. Au début, on est un peu sur des rails, avec le narrateur, etc. C'est un peu chiant. J'espère que vous allez kiffer, comme d'habitude, un petit like si c'est le cas, ou un petit dislike si c'est pas le cas. Et c'est parti. Bon, déjà, je vais commencer par vous montrer un peu la map. Ça a l'air plutôt grand. Là, on peut voir que je suis ici, le petit point blanc, là. Et on va aller se balader un petit peu là. Sinon, personnage, regardez. Ah, j'ai 2 points de disponibles. J'ai bien envie de mettre dans agilité. Plus vous allez vite, mieux c'est. Voilà. Agilité et force. Regardez, on va pouvoir rajouter des trucs. Genre sur notre tête et tout ça. Genre là, j'ai un petit chapeau. Vas-y, je vais le mettre. Regardez ce que j'ai. J'ai des gants étincelles. Donc c'est ce que j'avais au début. Et j'ai ça aussi. Un gros point de ouf. Regardez. À voir ce que vous ça donne sur des ennemis. La futaie égarée, la plus profonde et sombre forêt du pays. Parfois, on a du mal à y voir avec tous ces arbres. Ouais, il faut que j'apprenne à viser. Vite! Défonce-le! Besoin d'un coup de main? Vas-y, crève toi! Oh! En plein temps! T'as les combats et tout, les combos, j'ai du mal encore. Ça va venir. Oh, j'ai fait un truc propre là, c'est quoi ça? Après avoir touché un ennemi avec une attaque spéciale. J'ai pas tout compris. C'est cool. Ok, je me casse. Y a pas des paysages de ouf en fait. Vous pouvez accueillir ce jour naissant avec le sourire. De quoi? C'est quoi ça? Interaction. Wow. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est? C'est un crève-crève. Commotion cérébrale assurée. Il avait fait mordre la poussière. Je leur mets cher avec le gant là. Ah, un petit point d'amélioration. Ok. Ah, c'est un camp ennemi ça? Ah oui. Ah vas-y, on les défonce. Oh, ils mettent cher. Ah non, ça va. Non. Oh. Oh. Oh le gros. Oui. Sento. Bien visé. Oh le chien. J'appuie sur n'importe quelle touche. Ouh. Un ennemi intelligent tournerait gentiment les talons. Je lui mets cher. Et toi aussi, bam. Bon, il y avait forcément un truc sur son corps, non? Ah non. Les que dalle. Attends, là, il y a quoi? Ah, passe-partout. Je suis passe-partout. Vous allez bien ce soir? C'est chaud! Oh, c'est quoi? Vous êtes gentil, hein? Boosty Coco requise. Attends, on peut les monter? Ça tue? Un totem de ressources. Un monument laissé par ceux qui ramassent le récup pour garder la zone propre. Frappez-les de toutes vos forces pour en extraire des matériaux permettant de fabriquer des armes. Ah! Le récup en bois là-bas a l'air rempli d'échardes. Faites attention! Il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire avec une fin inattendue. Ok. Mais en vrai, je crois que je préfère ça. Ouais, je préfère ça. C'est plus stylé. Rencontrer les troupes. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me faire là? Oh là, c'est quoi ça? Salut. Oh! Pourquoi j'ai plus de balles? Vas-y, crève, crève. J'ai vu un là? Ouais. Coup de jus. Faut vraiment que... Ouah putain. Que j'arrive à gérer mes combos quoi. J'appuie un peu sur n'importe quelle touche, c'est... Merde. Je fais n'importe quoi.
Éradication. Aïe aïe aïe. Du coup, ça va... Oula, ça va faire que je vais sauver les mecs, là. C'est des prisonniers. Je pense, hein. Toi, t'es mort. Ils sont les fûts. Ah si. Joli tir. Tiens, tiens. Voilà. L'autre, il est encore là. Ok. T'es bientôt mort. C'est bon, vous êtes sauvés. Oh. Interaction. Vu que je suis méchant, je vais faire ça. Hein? J'ai pas tout compris là. Apparemment, j'ai assombri le monde. Rencontré les troupes. Allez, let's go. L'avant-poste de Murkadorpus, une forteresse des Jagni. Voici la première ligne de défense. Wow. Ok, c'est pour prendre leur avant-poste. Ils se protègent, ils se protègent. Hop, esquive. Mais ça manque un peu de, je sais pas, au niveau des combats, de dynamisme en fait, ou pas de dynamisme, mais je sais pas. J'ai l'impression de pas frapper le mec en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et en plus il traverse le mur ce con. Avec tout ce que je lui mets, genre. Un lombeur à bombe. Oh là, c'est quoi, c'est quoi? Oh. Faut que je les prenne. Ah ouais, ok. Ça a fait l'affaire. Vous l'avez déchiré. Ok, mais vas-y, par contre, nouvelle quête principale, reste pas devant moi. Vas-y, vas-y. Ok. D'accord. Vas-y, on y va. Ah mais il nage pas très bien mon perso. Ah si, ça va là. Intéressant. Insérer et tourner. Continuez. Ok. Comme ça mes potes ils vont pouvoir venir. Ils sont que deux, tu sais. Hey, cette cage renferme un assistant. Donc il faut que je le libère pour qu'il combatte avec moi en fait. Allez, vas-y. Il se protège ce coup. Oh. Oh. Oh, c'est propre là ce que j'ai fait là. Et la caméra par contre parfois elle est... Elle est un peu relou. Ce que je lui mets. Regardez ça, ouais, la caméra parfois c'est... C'est un peu chiant. Voilà. Allez viens mec. J'ai besoin que tu te battes. Ouais vas-y. N'hésitera pas à prendre sa revanche sur les gens qui leur font du mal. Bah j'espère bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, une nouvelle arme. Oh. Extermino Frugraster. Il n'est pas plus compliqué comme mot. On va l'utiliser. Oh. Vas-y, on va tester un ça. Un tireur d'élite. L'échafaudage semble instable. Alors, il faut que je tire sur l'échafaudage. Mieux vaut rester à l'écart du rayon rouge. Voici la deuxième ligne de défense. Ok. Par contre, le narrateur, il casse les reins parfois. Là, t'es en plein dans le game et en fait, il coupe un peu ton truc là, c'est un peu chiant. Vas-y, vas-y, hop. On va vraiment pouvoir améliorer son personnage, mais pas mal, vraiment. Il y a différents types d'armure. Différents types d'armes. On va pouvoir crafter des objets, crafter des armures aussi bien sûr, et améliorer ses compétences. Chaque fois que tu gagnes un niveau en fait, tu peux améliorer tes compétences, donc agilité et tout comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Oh, un petit boss.
Ok. Attends, mais il a une armure. Oh là, il vénère, il est vénère. Comment je peux faire pour l'avoir? Oh, clone, il s'appelle. Mais il a rien. Comment je peux faire? Je comprends pas là. Je comprends que dalle. Attends, lui il peut le détruire peut-être le truc. Timber. Ah. Je pense qu'un gros boom le mettra par terre. Ok, extinction. Maintenant que j'ai compris, je comprends mieux. Kaboom, c'est ça, on y est presque. Ok. L'avant-poste appartient désormais à votre tribu. Il dit que vous les avez affaiblis, mais ils ne baisseront pas les bras. Votre Sifu vous remercie. Votre tribu gagne en puissance. J'ai débloqué une nouvelle arme. Wow, regardez le boomerang que j'ai eu. C'est stylé. Ouais, ça tue ça. Donc en gros, maintenant, j'ai trois armes à distance. Donc le premier flingue qu'on avait au début. Celui que j'ai récupéré là tout à l'heure. Le gros fusil. Et maintenant le boomerang. Il est stylé le boomerang. Faut savoir que l'équipe de développement du jeu, ils sont que 20. Donc pour un jeu à monde ouvert, c'est chaud. Ceci est une piquette, une proie facile pour Lupin Lupin. Pour tous les autres, c'est une monture parfaite qui s'apprivoise facilement du moment qu'on les nourrit. Je l'ai apprivoisé ? Ah ! Ok. Ah, ça tue, ça. Oh, c'est quoi ? Admirez bien ce spectacle, car il se fait rare. La faune est au bord de l'extinction, comme nous tous. Revoilà le carnivore. Rien ne semble pouvoir assouvir sa faim. Et si vous n'intervenez pas, cette biquette est condamnée. Oh, mais ouais, mais elle prend trop cher. Elle laisse la biquette, toi. Oh, elle est vénère, la biquette. Elle lui met des coups. Vas-y, défonce-le. Aïe. Mais ouais, mais la biquette elle fait rien là. Vas-y, casse-lui sa bouche. Oh, oh. Attends, je me soigne. Oh, aïe. Vos réserves sont vides. Ok, il est en train de cramer. Ah. Cette monture est vraiment docile pour un animal. Ah, stylé. Là, ça tue. Et ouais, j'ai une biquette, les gars. Une biquette rare. Désolé. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, plus j'avance dans le jeu, plus j'apprécie. Mais après, c'est pas un jeu de fou, je trouve. Je l'attendais avec impatience et je suis un petit peu déçu, on va dire. Mais après, c'est pas un jeu qui a 70 balles. Donc pour le prix, ça vaut le coup, franchement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.